Troisième signe pour ce mois très spécial d'octobre, puisqu'il s'agit du mois d'Halloween. J'espère que le prochain signe va bien. Nous allons voir ensemble quel va être, quel type, en tout cas. J'espère que la décoration vous plaît. Je me suis amusé à pimper un petit peu le décor. Et comme vous pouvez le constater, c'est mon visage qui n'est pas pimpé, pour le coup. Parce qu'en termes de coiffure et de maquillage, je ne suis pas très efficace pour ça. Donc, on va éviter les catastrophes. On va rester sur du classique et sur du simple. Et je pense que ça fait très bien l'affaire. Prochain signe à vouloir se présenter pour notre fête d'Halloween. Quel est-il ? Et nous avons le Sagittaire. Eh bien, les Sagittaires, j'espère que vous allez très bien, que vous avez passé un bon mois de septembre et une bonne rentrée. Et je m'arrête tout de suite pour tirer la carte qui vient de se poser délicatement à un certain endroit. Je ne vais pas dire où. Je pense que vous l'aurez très bien compris. Nous avons une première carte ici avec la Force. Alors, c'est pas anodin qu'elle se soit disposée allègrement sur une zone particulière. J'ai l'impression que vous plaisez ce mois-ci, très particulièrement les Sagittaires. J'ai même envie de vous dire, on a envie de vous. C'est très spécial. Donc c'est drôle, c'est un petit peu comme les lions, mais dans une autre configuration. Les lions qui étaient juste avant vous étaient aussi dans une optique de séduire, mais eux ça ne prend plus, ça ne marche plus. Ah, vous par contre c'est tout l'inverse, hein. Il y a une force, j'ai même envie de vous dire créatrice, une force séductrice qui permet de créer quelque chose. Donc qu'est-ce que c'est? Vous avez deux cartes en transition. Vous avez le jugement. Vous avez le mât. Dis donc, les Sagittaires, est-ce qu'il ne serait pas temps de prendre un risque ici? Comme si vous aviez certains a priori, certains préjugés, j'ai même envie de vous dire, hein, pour certains. Est-ce qu'il ne va pas falloir confronter ce préjugé ou cette certitude à une autre réalité que celle que vous ressentez? En tout cas, il y a quelque chose ici qui va changer par rapport à tout ça. Une confrontation des réalités, et vous allez vous rendre compte qu'en fait, bah, vous séduisez beaucoup plus que ce que vous pensez, vous plaisez beaucoup plus que ce que vous pensez. Dans un cadre, on va dire, purement sentimental, dans un cadre professionnel. Peut-être que vous évoluez dans une équipe où vous avez peut-être un petit peu cette sensation qu'on ne vous aime pas, qu'on ne vous apprécie pas. Prenez un risque, peut-être en posant carrément la chose sur la table. Mettez les pieds dans le plat, j'ai envie de vous dire. Allez-y au culot. Et vous allez vous rendre compte qu'en fait, bah, c'est pas ce que vous pensiez. Ah ouais, bah la mort. Ah mais vous bloquez, vous avez peur. Vous avez peur que ça change un rapport à quelqu'un ou une situation. C'est pour ça que vous ne le faites pas. Peut-être une peur du jugement, justement. Peut-être que vous avez peur qu'on vous juge. Peut-être que vous avez quelqu'un en tête, peut-être qu'une personne vous plaît. Et vous avez peur de le dire à cette personne. De peur que ça change la relation. La mort ici, en revers, ça symbolise justement un refus du changement, un refus de la transition. Je sais pas pourquoi, mais j'ai vraiment cette sensation ici qu'il y a des Sagittaires qui ont souvent été critiqués sur leur physique, qui ont souvent été critiqués sur leur plastique, j'ai envie de dire. Peut-être que vous avez eu un déclic et que vous avez compris comment vous mettre en avant. Peut-être que vous avez lâché prise sur quelque chose. Peut-être même que vous avez fait des soins énergétiques. Peut-être que vous vous êtes mis au sport. En tout cas, il y a quelque chose qui a radicalement changé dans votre manière d'être, dans votre apparence. Et des fois, ça peut être des détails, mais tout petits, mais qui font une grande différence. Vous, vous ne l'avez pas remarqué. En revanche, les gens en face de vous, oui. Et ça a créé
un nouvel attrait pour vous. Si c'est dans un cadre professionnel, peut-être que justement vous avez gagné en expérience, peut-être que votre savoir-faire a été suffisamment optimisé, peut-être que si vous étiez en formation, bah vous avez atteint un tel stade de connaissance que maintenant vous pouvez atteindre ce que vous espériez. C'est comme si en fait vous attendiez quelque chose depuis très longtemps sans vous rendre compte qu'en fait c'était arrivé. Et du coup, vous ne savez plus comment dealer avec ce changement que finalement vous attendiez depuis longtemps. Et avec l'étape finale ici, qui est la mort, on va vous demander, je sais que c'est pas facile, et c'est pour ça qu'elle est en revers, on va vous demander d'abandonner, les Sagittaires, certaines croyances. De toute façon, je ne plais pas, de toute façon, je suis moche, de toute façon, je suis trop grosse. De toute façon, je suis trop vieille. De toute façon, je suis trop bête. J'ai pas d'instruction. De toute façon, je suis trop sensible. On arrête avec les trop. On arrête avec les de toute façon. De toute façon. Non. Ça, les Sagittaires, c'est fini. Ce discours intérieur, il est fini. Parce que vous ne remarquez pas que la situation autour de vous a changé. Parce que vous êtes toujours dans ce jugement intérieur. On va vous demander pour ce mois-ci de prendre du recul sur ces voies intérieures. Il y a le diable hein, qui se présente. Et c'est pas parce que c'est Halloween, non. C'est parce que, moi je vous dis, les Sagittaires, vous plaisez, vous séduisez autour de vous. Que vous soyez ascendant ou que ce soit votre signe lunaire, même que ce soit votre signe vénusien, les Sagittaires, je vous dis, vous plaisez, vous retenez l'attention, vous captez l'attention. Si c'est pas simplement dans une optique de séduire, d'intime, de sentimental, vous avez retenu l'attention. On vous voit, on vous entend. Vous n'en avez pas l'impression, mais c'est une sensation, c'est une perception ici. Ok, est-ce que votre signe peut m'indiquer clairement, explicitement, dans quel contexte est-ce que ça va s'ouvrir pour vous? En fait, c'est de la reconnaissance quelque part. Vous êtes reconnu. Quelque chose sur lequel vous avez travaillé pour déployer cette force, pour que ça devienne votre force, bah ça l'est maintenant. J'ai l'impression que j'ai des Sagittaires quand même qui ont beaucoup travaillé sur eux en termes de développement personnel pour gagner en assurance et pour gagner en confiance. Et en fait, ça va commencer à se voir. Ça va commencer à se faire ressentir. Vous ne le percevez pas, vous ne le captez pas, parce que vous ne vous voyez pas de l'extérieur. Mais l'extérieur, lui, l'a vu. Il le remarque, il commence à le voir. Il y a un changement ici, pour certains. Je sais que ça va vous faire du bien. Je sens des Sagittaires ici qui sont vraiment soulagés. Et je dis pas ça uniquement dans le but de faire des jolis tirages pour avoir des vues, avoir des likes, alors là, je suis pas du tout comme ça. Si vous êtes habitué sur la chaîne maintenant, vous le savez. Mais moi, je suis pas du tout ce genre de personne à faire des tirages trop positifs pour capter l'attention. Non, mais là, je vois des Sagittaires qui sont soulagés. Et très sincèrement soulagés de se dire, punaise, mais ça y est, j'ai enfin réussi, quoi. Allez, on va demander à votre signe de préciser le tirage. Donc, c'est posé sur votre carte. Ah, la carte du serpent qui se pose sur vous. Les Sagittaires, est-ce que vous n'avez pas été victime de préjugés, de stéréotypes, de clichés? Est-ce qu'on ne vous a pas souvent collé une étiquette? Est-ce qu'on ne vous a pas souvent collé une identité à la figure, les Sagittaires? Est-ce qu'on n'a pas souvent surinterprété certains traits caractéristiques de votre corps, peut-être justement, ou de votre personnalité? Si vous êtes un homme Sagittaire qui avait peut-être une forme de douceur, une forme de sensibilité en vous, pour les hommes, peut-être qu'on a souvent remis en question votre orientation sexuelle. Si vous êtes une femme Sagittaire avec un caractère très affirmé, peut-être que justement on l'a remise en question aussi. Peut-être que justement on vous a fait clairement comprendre que vous étiez chiante, hein, disons les termes. Si vous êtes un Sagittaire avec des problèmes de poids,
Peut-être qu'on vous a souvent dit que de toute façon, faut te mettre au sport, c'est de ta faute, tu fais pas assez d'exercice. Bah, vous comprenez que, ah, bah en fait, c'était lié peut-être à un problème de santé. Ou peut-être que je me suis rendu compte qu'en prenant tel traitement médicamenteux il y a quelque temps, et ben en fait, j'ai pris du poids à cause de ça. En fait, vous voyez, c'est, vous cherchiez une explication à quelque chose, et enfin, ça se matérialise. Il y a une forme de reconnaissance par rapport à quelque chose que vous cherchez en fait à revendiquer. Pour les Sagittaires ici, on va vraiment être sur une revendication de l'identité, de la personnalité, du savoir-faire, du savoir-être. En fait, il y a une reconnaissance de qui vous êtes, finalement. On sort ici des jugements, on sort des clichés, on sort des stéréotypes. Et quand je dis on sort, c'est que là, le fait d'accepter aussi quelque part de reconnaître que certaines personnes resteront enfermés dans leur certitude, vous ne pourrez pas les changer, vous ne pourrez pas changer ce type de discours-là, c'est aussi finalement une sorte de lâcher prise, de vous dire, eh bien, je laisse tomber, je n'ai pas à me justifier, je n'ai pas à te fournir d'explications, je n'ai pas à m'excuser de ma présence, ou je n'ai pas à m'excuser d'être qui je suis, point barre, content ou pas content, ça ne changera pas la situation. Maintenant, tu vas faire avec qui je suis, parce que moi, je suis obligé de faire avec toi et comme tu es. Donc, restons-en là. Mais moi, je ne changerai pas non plus pour te faire plaisir. Il y a des Sagittaires qui vont vraiment déployer avec force ce discours. De la fermeté dans l'identité, c'est ce que j'aime. On est sur de la communication pure. Est-ce que les Sagittaires, souvent autour de vous, il n'y a pas comme un espèce de malaise diffus. Vous savez, vous essayez de comprendre pourquoi est-ce que les gens semblent distants avec vous. Pourquoi est-ce que souvent les personnes à votre contact semblent avoir une certaine retenue à votre égard. Pourquoi est-ce que vous avez cette sensation, ce truc qui vous titille en vous de vous dire « Je sais pas pourquoi j'ai l'impression que cette personne, elle me dit pas tout. Elle est pas sincère. J'ai l'impression qu'elle se méfie de moi. J'ai l'impression qu'elle est sur de la prudence quand elle est à mon contact. » En fait, il y a quelque chose qui se dégage de chez vous, les Sagittaires, pour certains, hein, qui est perçu en face dans une autre réalité. Ça peut être votre orientation sexuelle, ça peut être votre hygiène de vie, ça peut être la certitude que vous consommez des substances, que vous buvez de l'alcool. Vous savez, on va partir ici d'un jugement bien évidemment négatif, et en fait vous allez confronter ce jugement avec un discours ferme et ancré pour bien faire comprendre à la personne que tes perceptions ne sont que ton avis et ton avis n'engage que toi. Ton avis n'est que ta réalité et n'est pas la mienne. Je me connais mieux que toi quand même jusqu'à présent, hein. Je suis moi-même, je me lève tous les matins en ma propre compagnie, je dors tous les soirs en ma propre compagnie, je sais quand même qui je suis mieux que toi. C'est pas toi qui vas affirmer qui je suis à ma place. Et si tu restes ancré sur ton discours que « Non, mais je sais que tu mens, je sais qu'il y a des choses chez toi qui ne sont pas claires, je sais que tu manques de confiance en toi, je sais que tu caches des choses, eh bien écoute, grand bien te fasse. Moi, j'ai plus rien d'autre à te dire, si t'es tant que ça persuadé de tes stéréotypes, reste-y dedans. Tant pis pour toi. » Cette configuration-là me fait dire ça aussi. Pourquoi ? Parce qu'on a un oiseau dans ce sens-là, on a un oiseau dans ce sens ici. La communication, en fait, elle se croise. Les phrases se croisent. J'entends ici en fait des arguments qui sont envoyés un peu comme si c'était un match de ping-pong. C'est moi je te dis ça, oui mais moi je te dis ça aussi, moi de toute façon je suis persuadé que ça, et bah écoute, ça ne reste que ton avis de toute façon. Il y a un échange ici d'arguments, j'ai envie de vous dire, stérile, les Sagittaires. Et c'est parce que vous allez vous rendre compte que l'échange est complètement stérile et ne mène nulle part, qu'en fait vous allez apprendre à complètement vous en foutre. Là, vous remarquez que justement cette prise de risque ici, elle va s'opérer dans la communication, dans le verbal. Je confronte ton point de vue à ma réalité pour te faire comprendre que j'ai bien compris que tu ne changeras pas d'avis. Et c'est dommage, parce que je ne changerai pas d'avis non plus, puisqu'on parle de moi, et en l'occurrence, je me connais mieux que toi. Les nuages. Ne baissez pas les bras, justement, si vous cherchez à vous affirmer davantage, à avoir une communication beaucoup plus claire vis-à-vis des autres. Ne baissez pas les bras si vous voyez que la personne en face de vous, elle est complètement sourde et elle n'entend rien. Dites-vous que c'est un premier exercice pour vous apprendre à vous affirmer avec fermeté
dans votre alignement, en fait, dans votre ancrage personnel à vous. Je vous vois, certains Sagittaires ici, vous êtes désaxés dans votre ancrage. C'est comme si vous aviez perdu votre ancrage. Parce que, à force d'entendre des on-dit, à force d'entendre des rumeurs, à force d'être, pour certains, persuadé qu'on va penser ou dire ça de vous, renforcez si vous avez de l'air en ascendant. Attention, hein, travaillez bien dessus. En fait, vous ne supportez plus en fait cette espèce d'énergie de prudence ou de méfiance qu'il y a autour de vous. En fait, vous avez envie de percer l'abcès, tout simplement. On va percer l'abcès une bonne fois pour toutes. On va mettre les choses au clair avec une énergie très solaire. Et c'est pour ça que vous allez vraiment réussir à reprendre l'ascendant sur cette situation qui un petit peu vous file entre les doigts. Parce que là, pour vous, ce n'est plus possible de vous laisser faire comme ça, ce n'est plus possible de vous laisser marcher sur les pieds. Maintenant, ça suffit, je dis ce que j'ai à dire, et je m'en fiche complètement de comment tu vas réagir ou de ce que tu peux ressentir. À un moment donné, tes rumeurs, tes stéréotypes, tes préjugés, c'est plus mon problème. Par contre, quand ça commence à m'impacter et à avoir des conséquences sur ma propre vie, on va bien remettre les points sur les i une bonne fois pour toutes. Hein. Que tu comprennes aussi qu'il est temps que tu restes à ta place. On est ici dans une énergie très de feu, je pense que vous l'aurez compris, mais il le faut. Il le faut parce que c'est votre force. Hein. Votre force, les Sagittaires, ce mois-ci, ça va être la communication. En deux de deck, on a le livre. Instructions et connaissances. Pour certains, les Sagittaires, ici, on va rester dans le classique. Manque d'éducation, manque de connaissances, manque de compréhension, manque de clarté, manque de... Il y a un manque ici. Mais ce n'est pas votre rôle à vous de refaire l'éducation de la personne, de refaire son identité, voire de l'instruire, tout simplement. Vous n'avez pas que ça à faire. Donc, ce que vous faites, c'est que vous donnez l'info, vous dites à la personne, eh bien, écoute, renseigne-toi sur tel sujet ou renseigne-toi sur telle chose, et je ne vais pas le faire à ta place. En fait, ici, je vois un espèce de débat lié à une confrontation d'arguments, et la personne en face de vous va avoir un argumentaire, on va dire, particulièrement fragile, particulièrement superficiel, et en fait, vous allez réussir à démonter fermement, avec efficacité, cet argumentaire fragile en face de vous. Et là, la personne, elle va comprendre que, ah, il y a peut-être un problème dans ce que je dis. Nous avons donc demandé au corbeau comment vous transmettre les conseils associés, les conseils appropriés pour vous aider justement à ne pas flancher du genou, comme on dit, lorsque vous allez être confronté à cette situation de débat. Merci. La mémoire. Ok. Si on a tendance à vous faire douter de vous-même, à vous faire douter de votre savoir, à vous faire douter tout court, rappelez-vous d'expériences passées, les Sagittaires. Quand une personne essaye de vous faire douter ou essaye de vous faire ressentir de la honte ou de la culpabilité, référez-vous à votre parcours de vie, référez-vous à vos expériences personnelles pour vous aider, vous, à vous réancrer dans l'instant présent. En fait, quand une personne en face de vous va essayer de vous faire douter de vos convictions, elle essaie de vous désancrer, elle essaie de vous arracher à vos racines. Re-enracinez-vous avec votre vécu. Votre vécu vous apporte des expériences qui sont précieuses pour un petit peu remettre les points sur les i, comme j'ai dit tout à l'heure. Les corbeaux étant justement des sentinelles, elles sont parties faire un petit tour, elles sont parties se balader, voir qu'est-ce qu'il se passe autour de vous, les Sagittaires. Elles sont parties voir le futur pour vous transmettre le message suivant face à ce qui arrive. Elles reviennent avec un message. Quel est-il ? On a la communauté, on a le jeu, et on a la coopération. Fiez-vous à votre groupe d'appartenance, les Sagittaires. Vous savez qui vous êtes, et vous savez que vous n'êtes pas seul. Vous êtes entouré, il y a des personnes qui vous soutiennent, il y a des personnes qui apprécient justement qui vous êtes, ou comment vous faites certaines choses. Ça vous sert d'ancrage aussi. Servez-vous de ça comme d'un jeu. En fait, jusqu'à présent, j'ai l'impression que j'ai des natifs ici qui ont essayé de jouer un jeu avec les règles des personnes en face. Vous avez tenté de remporter la partie avec des règles qui étaient facilitantes pour la partie adverse. À compter de ce mois-ci, les Sagittaires, changement de règles. Vous imposez vos règles,
vous reprenez la partie depuis le début, et cette fois, on va jouer avec mes consignes. Cette fois, on va jouer comme moi, j'ai décidé qu'on allait jouer. Et crois-moi que cette fois, c'est toi qui vas perdre. Je sais que j'ai un discours qui peut être très agressif, voire intimidant, voire qui peut faire peur, mais parce que c'est vraiment l'énergie que vous allez déployer ce mois-ci. C'est vraiment ça qui va ressortir de vous. Une énergie de conquête. Ni plus ni moins. Vous repartez à la conquête de votre identité, de qui vous êtes. Quelque chose qu'on vous a volé depuis trop longtemps. C'est ce qui ressort. La nuit. Quelque chose qui était resté tapis dans l'ombre, quelque chose qui était resté tapis dans l'obscurité, qu'on ne voit pas, qu'on n'entend pas, qu'on ne ressent pas. Cette fois, c'est un petit peu comme si la bête surgissait de l'ombre. Comme si quelque chose qui était resté un peu trop discret, cette fois se manifeste, se présente à vous. Et ce qui se présente à vous, notamment, c'est le courage, tout simplement. Je ne dis pas que vous étiez des lâches. Jamais je me permettrai de tenir ce genre de discours. Je dis simplement que le courage, c'est aussi faire preuve de force pour se confronter à ce qui vous bloquait jusqu'à présent. Les Sagittaires, vous étiez confrontés à une peur, peut-être de vous confronter à certaines situations, de vous confronter à certains blocages, de vous confronter à certains stéréotypes, des préjugés. Vous aviez une peur de vous confronter à quelque chose ou quelqu'un. Là, à compter de ce mois-ci, fini. J'en ai assez d'avoir des peurs. Je vais y aller, je vais partir au front, je vais mener ma bataille. Et cette fois, j'y vais, mais pour triompher, j'y vais pour gagner. Eh bien, soit, fort bien. Très très bon tirage pour vous. On va donc demander maintenant à l'oracle de la magie de vous donner quelques conseils magiques pour vous aider tout au long de ce mois. Mais tout simplement, les Sagittaires, imposez-vous. Imposez-vous et ne laissez plus les gens autour de vous vous identifier à votre place. Ne laissez pas les autres vous mettre dans une place qui n'est pas la vôtre, tout simplement. Allez, un conseil de votre signe pour vous, les consultants. Vous avez la bénédiction des bananes. Je vous jure qu'à chaque fois que je vois cette carte, j'ai toujours l'impression que c'est la bénédiction des bananes. Bah écoutez, mangez des bananes ce mois-ci. C'est rempli de fibres, c'est très bien. Sécurité, ermite, expansion et stabilité. Ici, en fait, vous retrouvez un ancrage, vous retrouvez des fondations solides pour vous permettre de pousser, entre guillemets, correctement, parce qu'il y en a certains ici, quand je dis pousser, vous avez eu un parcours de vie qui n'a pas été de tout repos, et souvent vous avez dû vous battre pour prendre votre place. Et vous avez également la verveine éternelle, envoûtement, relâchement et protection, avec les rêves d'armoise, rythme, soi supérieur, réalité et repos. Ça va être un sacré soulagement pour vous de vous rendre compte que vous êtes en capacité de vous protéger et de vous défendre, de protéger en fait votre identité en partant au front. Parce qu'en fait, vous aviez l'impression pour certains que justement mener cette bataille, ça allait vous pomper votre énergie, ça allait vous peut-être vous faire passer pour une mauvaise personne. En tout cas, il y a ici un problème de perception dans le fait de vous imposer. Pour certains Sagittaires, le fait de vous imposer, le fait d'être ferme dans vos convictions, vous aviez l'impression que c'était mal, que c'était pas bien. Mais tout ça, ce sont des croyances limitantes dues à votre éducation et pour certains, votre parcours de vie. Le Burning Man. Pouvoir du collectif, prière suprême, trois découpes et fêtes. J'ai encore la notion de collectif qui ressort ici. Si vous êtes un Sagittaire, peut-être influenceur, influenceuse, créateur de contenu, n'hésitez pas à demander conseil à votre communauté, n'hésitez pas à les solliciter, et peut-être même pour certains, référez-vous au fait que justement vous avez été en capacité de créer une communauté. Tout simplement, vous avez été en capacité de fédérer autour de votre personnalité, autour de votre niche, autour de votre thématique. C'est que vous n'êtes pas si problématique ou si moche qu'on a pu vous le faire penser. Grâce au collectif, vous allez comprendre en fait votre valeur ce mois-ci. Eh bien écoutez les Sagittaires, j'espère que la guidance vous aura plu, que ça vous aidera en tout cas à entamer ce mois avec puissance et détermination.
Si vous êtes un Sagittaire qui me découvrez, enchanté, n'hésitez pas à vous abonner et à consulter les vidéos dans les autres playlists, puisque je ne fais pas que des tirages de cartes. N'hésitez pas également, comme Norbert, notre meilleur ami, à laisser le pouce en l'air et à partager la vidéo avant de nous quitter. D'ici là, les Sagittaires, je vous souhaite un excellent mois d'octobre et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.